Donc aujourd'hui on accueille la finale régionale de course en cours, qui est une activité qui se passe dans les établissements, les lycées et les collèges de la région, qui est une activité nationale, qui est dirigée par le ministère de l'Éducation et différents sponsors d'Assosystème, PFA et Renault, dans le but de faire courir des petites voitures électriques sur une piste. C'est le fer de lance du projet. Autour de ce fer de lance, on a différentes activités annexes qui sont non moins importantes que cette course. Effectivement, on retrouve une présentation orale de l'équipe et du projet en lui-même, dans laquelle est présenté un bilan financier, les intérêts qui sont apportés à la dénomination au nom de l'équipe par rapport au projet global, ainsi que un stand qui est présenté un petit peu du même style que les stands automobiles que vous pouvez découvrir sur les salons automobiles. Et tout ça se passe aujourd'hui à l'UIT GMP de Poitiers. On est centre ressources, on les aide effectivement un petit peu à la réalisation, à la fabrication de leur voiture. Ce projet est un projet assez intéressant parce qu'il est transversal. Effectivement, on retrouve les voitures, mais il y a aussi toute une partie de présentation qui est un petit peu plus globale et qui permet d'intégrer toutes les qualités des différents élèves de lycée ou de collège qui sont inscrits dans ce projet. À la fin de cette épreuve, il y a un qualifié par région et on le retrouve effectivement à ce moment-là en finale nationale qui se déroulera à Paris Intramuros et qui se tiendra d'ici quelques jours, fin mai. Donc c'est un projet qui nous permet un petit peu d'être en contact des différents collèges et lycées de la région et de faire découvrir un petit peu les aspects d'un projet dans sa globalité et non pas que sur l'aspect spécifique de la technologie. Ça ouvre énormément l'esprit des différents participants et ça nous permet de rencontrer également les différents intervenants et enseignants des filières du secondaire de la région. Ah bah oui, bah oui, c'est vrai, mais c'est vrai.